Je vais vous raconter mon histoire, qui a basculé du paradis vers l'enfer en quelques instants. Avant de commencer, ne laissez pas vos enfants regarder ce qui va se passer. On va bien rigoler ce soir. C'est sûr. Une grosse cuite, quand même. C'est clair. Ça va pas quoi, commence pas à nous faire peur. Non, non. T'as jamais entendu l'histoire de la gosse qui t'a trouvé noyée? Non. Hein? Non. Une meuf là, il y a 10 ans de ça, mon gars, elle t'a trouvé noyée là. Juste au bord. En mais plus. Non, mais. Juste devant nous. Arrête, c'est bon. Toute dégueulasse, toute pourrie. Tes histoires. Je flippe quoi. C'est bon, flippe pas quoi. C'est pas drôle. Bon, moi je vais aller pisser, mais faut qu'on rentre après. Ouais, fais gaffe au fantôme. C'est pas de moi. Allez, va pisser, je te ramène après. Va. Ok. Attention, la dame blanche, hein. Lui fais pas peur, quoi. Mais... Il va avoir peur. Bon, on va y aller parce que là j'ai entendu bruit là-bas depuis tout à l'heure, j'ai pas confiance. Et alors t'as peur? On sait jamais ce qui peut arriver. Toi, on raconte une histoire toi. Ouais, non, ta femme noyée là, on sait jamais aussi. Tu vois, je vais la baiser, je vais pisser un coup, tu vas voir. J'arrive. Ouais, fais gaffe. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, ben là, il est en train de la baiser là. On referme la porte, Jeff. Vas-y, vas-y. Putain, j'ai oublié ça, je sais. Putain, c'était quoi ça? Je sais pas, faut qu'il arrête ses conneries, Eddy. Un peu, oui. Bon, allez, on sort ce soir? Non, moi je rentre. Allez, viens, on sort. Non, faut pas. Je préfère rentrer plutôt que de rester ici. Putain, t'abuses. C'était quoi ça? Putain, mais faut qu'il arrête ses conneries, lui.
vous avez le malheur de croiser une de ces créatures, priez, car seul Dieu peut vous sauver.